je suis ému. J'allais dire un peu inquiet, puisque j'attendais un peu quelques résistances. Mais en fait, ça me rassure. La rassurance est en ce sens que les gens sont derrière moi et c'est tout ce que c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai parlé des défis des petites difficultés de Kafuké après avoir discuté avec le président Claude pendant longtemps. Il faut augmenter la visibilité de Kafuké. Dans ce sens, le président Claude a commencé une stratégie en venant en apportant auprès de lui Grace Elohim comme président de l'un. Elle va nous ouvrir cette porte pour augmenter la visibilité de Kafuké. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la structure interne de Kafuké. Vous avez vu, on a très vite passé du scrutin uninominal au scrutin de liste. Encore une fois, c'est l'impulsion du président Claude et c'est une vision qui va nous permettre de travailler de façon plus harmonieuse. On ne cherche pas à se différencier, on veut continuer dans la relance dont ils nous ont, dans la relance qu'ils ont initiée, c'est-à-dire donner une nouvelle impulsion à Kafuké. Comme j'ai dit, augmenter la visibilité, réorienter, recentrer les choses à l'intérieur en termes de coordination interne et faire un programme d'action programmatique, c'est-à-dire définir à temps ce qu'il faut faire et aller vers les sponsors comme ils ont dit pour s'assurer. Non, j'ai pas de regrets. J'ai le sentiment d'un homme qui a fait ce qu'il avait à faire, utilisant les meilleurs moyens qu'il avait et qui n'aurait pas pu faire mieux. Pas forcément. J'ai approché le nouveau président et je lui ai suggéré, le connaissant son dynamisme et son intégrité, je lui ai fait une suggestion de se porter candidat pour cette élection. Voilà, pas plus. Je n'ai pas la capacité de tirer d'autres ficelles. Le cœur léger, 1800 de crédit sur votre bilan et pourtant vous partez. Ben, nous travaillons pour l'intérêt de la communauté. Un dernier mot. Le Kafuké va grandir. Kafuké va grandir encore plus. Merci.